Laetitia Béguet est capable, elle, de conserver ce titre qu'elle a réussi à gagner sur le fil, justement au concours du saut de cheval avec Elodie Lussac. Bien. Et pour elle aussi, un Yurchenko avec un demi-tour dans le deuxième envol. Pour elle aussi, un grand pas vers l'avant. Alors, nous allons mieux apprécier, peut-être sur le ralenti, voilà, de profil que je préfère, parce que c'est là que l'on voit l'élévation dans l'espace beaucoup plus importante que lorsqu'elle est prise d'en haut. Mais c'est vrai qu'il y avait une prise de vue intéressante au-dessus du saut de cheval. Voilà, c'est celle-ci qui me plaît le plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Oui, on apprécie mieux l'aspect technique du geste. Alors, un petit mot pour vous dire que Laetitia Béguet est toujours de Monaco. Il faut le préciser qu'elle s'entraîne à Saint-Gilly à Marseille, qu'elle a du tempérament, qu'elle a 15 ans, 1m47 pour 40 kg, et qu'elle s'élance pour son deuxième saut. Et pour conforter une place de leader, non ! Oh là là ! Décidément, un saut difficile pour les athlètes. Beaucoup d'erreurs sur ce premier agrès, mais ça relance la compétition puisqu'elle fait partie. Elle est championne de France en titre. Elle si fait j'étais aussi. Vous, Michel, j'irais enlever ce tapis de réception. Ça glisse. C'est vrai.